Bonjour à tous. Dans le poste 1 et 2, nous vous avons présenté les axes de formation et toutes les conférences qu'organisait IFI. Et le point commun et de la formation et des ateliers et des conférences est de venir nous faire réfléchir sur ce qu'est la conscience et comment la psychanalyse avec ses représentations du psychisme peut nous aider à mieux aborder ce que l'on appelle les états élargis de conscience ou les états modifiés de conscience, que l'on retrouve dans des expériences dites mystiques, des expériences dites chamaniques ou des expériences dites spirituelles. La gageure et l'enjeu d'IFI, c'est vraiment de ramener le discours psychanalytique en cohérence avec les termes que je viens d'employer, mystique, spirituel, transpersonnel, chamanisme, qui sont souvent dénigrés de leur sens premier ou qui sont pris dans de la pensée, comme on dit en psychanalyse, de la pensée magique. Alors, au contraire, je pense que ces explorations de la conscience qui nous sont permises à l'heure actuelle, vous voyez plein de stages, de sortie de corps, d'élargissement de conscience. Dans certains pays, des thérapeutes travaillent avec des psychédéliques, les traditions premières travaillent avec des entéogènes, c'est-à-dire des plantes aussi psychédéliques. Mais comment cela vient re-questionner encore une fois et comment on peut venir mettre en sens dans une nouvelle conception des concepts psychanalytiques, des topics, de l'appareil psychique. Encore une fois, ces mutations, en leur donnant un cadre symbolique, juste et sécur. Parce que nous sommes à la fois vigilants sur le fait de ne pas manquer cette mutation, toutes ces ouvertures, de plus en plus les gens parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais ils en parlent, de chakras, de corps énergétique, de magnétisme, vraiment des choses très intéressantes qui vont nous donner, vous voyez, j'ai en tête un atelier qui s'appelle « Comment penser le transfert dans les corps énergétiques ?» Voilà, donc vous comprenez bien que ramener de la psychanalyse dans ce mode de pensée irrationnel, c'est le permettre de se structurer et en même temps, ça vient permettre, ce qu'on disait depuis le début, de venir repenser les concepts analytiques en les ouvrant et en les adaptant à une société qui cherche de plus en plus de questions.